J'ai demandé à des youtubeurs, donne-moi un ingrédient, sans leur préciser que c'était pour une pizza. Je vais devoir mettre chacun de leurs ingrédients dans ma pizza. Ah oui, je suis en Italie, dans la meilleure pizzeria de Cefalù, avec le meilleur pizzaiolo. Donc, je vais clairement manquer de respect aux Italiens. Entre nous, c'est notre vengeance pour 2006. Ça, c'est le pizzaiolo, les gars d'Assassa. Ciao! La meilleure pizza de Cefalù, les refs. Et aujourd'hui, il va m'aider à faire la pizza. D'abord, il va la faire. On va regarder, on va analyser. Et ensuite, il va me montrer. Je vais la faire moi-même. C'est parti? Oui, oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, let's go. Il va faire sa première pizza d'abord pour me montrer un peu. Je vais regarder ce qu'il fait, j'analyse. Et après, ça va être à moi de le faire. Eh, les gars, c'est toujours Pio derrière la caméra. Salut! Beaucoup! Beaucoup! Merci beaucoup à tout le monde, hein! Ok, c'est parti les gars, on va la goûter et après on va faire ma pizza. Et on va voir laquelle c'est la meilleure. Je pense que c'est la pizza des Français la meilleure. Après, avec la coco et tout non, ça. Bah, coco, coco. Ah oui, ce qui sait pas encore les ingrédients, on va lui montrer après. Je pense qu'un on Italien, quand il va voir les ingrédients, il va péter un pont. Bon, là. C'est bon la pizza, hein. Ok, c'est bon, c'est validé. C'est le vrai chef de Cefalù. C'est bon. C'est parti pour faire la pizza des youtubeurs de France. Ah oui, là j'ai un peu peur parce que le pizzaiolo, il est au courant d'aucun ingrédient. Je vais me faire défoncer. Il va être choqué. Michou qui nous propose gingembre. Tu verras, ça rajoute un petit goût agréable et surtout ça a des effets secondaires plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ça. Ça se mange cru ça? Ah, c'est horrible. Ah, des petites cannes de ouf. Hop là. Il peut pas regarder ça. Poisson fécond qui nous propose poisson pané. Ça en vrai ça va, ça je pense c'est pas mal en vrai. Artiste qui nous propose patate douce. Je crois que c'est son kiff. Imagine Lucas, c'est la meilleure pizza de ta vie que t'as jamais mangée. Incroyable ça chef. Scoot de street, des pâtes. En vrai ça peut passer. Scoot de street nous a demandé de mettre des spaghettis. Non, là aussi. Non. Il veut même pas regarder. Regarde le pauvre. Non. Nioxy nous propose la cannelle. Vraiment, c'est dégueulasse. Ça par contre, ça va tout gâcher. La cannelle vraiment c'est dégueulasse. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas envie de gâcher la pizza et je veux la manger. Inoxtag nous propose coconut. Chef, c'est pas carré, il va niquer la pizza. Ça par contre ça va être chelou ça, je sais pas pourquoi t'as dit de la coco. Regarde dans les commentaires, dites c'est la meilleure pizza au monde. Il me manquait deux ingrédients. Du coup, je vous ai demandé en story de me donner un ingrédient de votre choix. Sam regarde qui nous dit cornichon. En vrai, ça peut être super cool. Cornichon, ça je pense qu'en vrai, sur une pizza, pas mal. Ouais. Okay. Ouais. Oh, ah. Non. Wow, la pizza des youtubeurs de France. Raven qui nous propose des Skittles ou bonbons Haribo, etc. T'as niqué ma pizza. Ça j'avoue, bon, allez, allez. Non. Là, les gars, là, c'est la vengeance de 2006. Là, là c'est la vengeance. Là. Regarde bien. Il était en Italie. Voilà. Hey. Justement, ils sont fiers. Du coup, c'est. Voilà. C'est lui qui l'a fait. Il a posé le bonbon. C'est vraiment une pizza. Non. La débrouille a choisi sauce mayo ketchup. C'est génial parce qu'en Italie, ils proposent un tube avec à la fois la mayo et le ketchup mélangé. Il reste quoi? Il reste ça? Elle est belle là! Sora qui nous propose du tabasco ou de la sauce piquante italienne. Parfait, c'est cordé avec le thème. Ah oui, molo piquante. Ok. Je vais faire insulter par des Italiens. Ça c'est beau ça, regardez, je vais manger une vraie pizza avec une vue de fou. Bon, c'est parti pour manger la meilleure pizza au monde. Non, c'est horrible. Donc là, il y a du Inoxtag, il y a du Michou, il y a du Scoot de Street, Poisson Fécond, Raven, Sora, Artist. Et Neoxy, c'est parti, on va voir si elle est bonne. Les gens ils passent là, ils vont voir ça, ils vont dire c'est ici, ils vont dire on vient jamais ici. Donc là je vois quoi, il y a des cornichons, mayo, pâtes. Oh. Non. Horrible. La cannelle elle est bizarre. Par contre avec le bonbon ça doit être pas mal. Non. Les manger. En fait je suis tombé sur un bout de cannelle. J'apprécie ma pizza, je regarde le paysage. J'ai la musique de l'Italie dans la bouche, dans la tête quand je mange. Franchement j'en pleure tellement qu'elle était bonne. Non mais nous, on va tous goûter hein. Non. Allez ferme les yeux, mets le doigt. Non. C'est allez Lucas, Allez. Allez un petit peu, allez. Ferme les yeux, vas-y. Vas-y. Il a peut-être pas fermé les yeux. Comme en 2006, putain, il a triché. Vas-y, Lucas. Si, vas-y. Horrible. Ça va, celle-ci. En fait, la cannelle, c'est ça qui a tout niqué, j'ai trop la haine. Si, vas-y, allez. Pas possible. Mais si, vas-y. Non. Franchement, moi, c'est juste que je suis tombé sur un mélange bizarre cannelle.
Non. Ok, tu rigoles toi? Allez Pio, rigole depuis tout à l'heure. Y'a pas de gâchis, on mange tout Pio. Allez, ferme les yeux. Regarde vers le haut, tricheur. Okay. Allez Pio. Ça c'est un bon italien ça. Ça va Lucas? Non, ça va. Mais non, vas-y, allez. Allez Pio, d'un coup. Ah, ah ça c'est stylé ça par contre, les bonbons. Allez. Mais bah, fais pas le timide, Pio, vas-y, hein, vas-y, mange encore, mange, fais pas le timide, vas-y. Italiano. Non, pas de gâchis en France, Pio, pas de gâchis. Non, je filme tout là, y'a pas de gâchis, tu manges tout. Allez, Pio, avale. Si, vas-y. Ah, c'est italien. Bon, on va voir un vrai français cette fois-ci. Ah non, c'est mort, j'ai rien. Allez, tu goûtes, allez. Voilà, vas-y, ferme les yeux. Regardez, un vrai français, regardez. Un vrai français, voilà. Sois pas timide, voilà, il est pas timide lui, voilà. Ça va, c'est pas dégueulasse, voilà. Quand tu fais abstraction. Ah non, c'est mort, j'ai rien. Allez, tu goûtes, allez. Regarde, il en prend. Ça, c'est un vrai français, ça. Non, venez là, tous les deux, venez là. S'il vous plaît, deux secondes, venez là. Je vais un plan. Oui, je vais tout manger. J'ai tout mangé, venez là. Prenez la pizza tous les deux dans les mains. Voilà, rapprochez-vous et soyez contents. Les gars, screenez ça et dites ça, c'est la vraie Italie. Ça c'est le vrai Italie. T'es malade. C'est leur pizza, ça. Non. L'huile pimentée, elle est forte. Les gars, encore merci à Dasasa de nous avoir prêté le resto pour faire ça. C'est une honte à l'italienne, franchement. Carrette. Les gars, merci à Salvo et Katia. C'est grâce à eux, ça. Et les patrons d'ici. Je pense qu'ils vont pas être très contents. Avec le bonbon, c'est bon. Mais ouf. Ah. Comment. En fait, je pense qu'il faut enlever les petits ingrédients de merde et on va pouvoir la manger. Bon, les gars, nous, enfin moi, j'ai mangé ce que je pouvais, je veux plus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des parts et je vais les faire goûter à mes soeurs qui sont sur la plage. En leur disant, franchement, elle est trop bonne la pizza, vous allez voir, elle est incroyable. On va voir leur réaction. Bon, Barbara, t'es prête? Je pars pas pessimiste parce que je suis presque convaincue que ça peut me plaire. Oh. Vous avez réussi à manger tout ça? C'est que c'est mangeable. Quelle part je goûte? Celle-là, elle est belle. C'est que j'ai le cœur qui bat à 1000. Alors, t'aimes bien? Bah, pour l'instant, ça va. Ah là, la goût. Du gluant. Et faut que je mange avec le bonbon, vraiment, je peux pas l'enlever? Non, mange avec le bonbon. T'es un bâtard. Justement. Attends, là c'est avec le poisson pané. Là ça va là. Bon, en fait, je sais pourquoi les toutes. C'est les bonbons Haribo qui ont fondu. C'est de la pizza. Putain, elle mange bien. Mais oui. Ça a le goût de quoi? C'est la pizza de la mort. Quelle est l'idée du Haribo? Alors Haribo c'est Raven. Merci Raven parce que je crois que c'est le truc qui a le plus niqué la pizza. Allez avec le bon Barbara. Allez, on y va. Oh ouais, c'était la pizza de la mort, voilà. Merci Lucas. Merci. Les gars, allez-le sur Instagram, meilleure pizza YOLO de Cefalou. Et si vous voulez venir manger ici, les gars, vous êtes à Cefalou, vous venez ici. Dans ça, les refs. Let's go. Ciao Lucas. Ciao, Dodo. La meilleure pizza de Cefalou, elle est là. Bon, je pense que je suis officiellement le français le plus détesté d'Italie. Donne-moi dans les commentaires ta pizza de rêve, ta pizza de la mama, que tu pourrais manger toute ta vie, tous les jours. Ciao. Ah oui, non, au revoir, du coup, parce que j'ai plus droit de parler italien.